Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. J'ai fait la solo cash cap Fortnite sur mon PC portable à 5 000 €. Du coup, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs les potes, je vous ai pas dit, mais cette vidéo est sponsorisée par Intel. Donc gros merci à vous, bref, je vous laisse avec la vidéo. Donc les gars, ce PC portable, très très simple pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo présentation. Bon, au pire, je vous la mets en fiche juste ici les gars. Vous pourrez aller voir, j'ai présenté le produit de A à Z avec ses avantages et ses inconvénients. Mais pour résumer, pour ceux qui ont un peu la flemme d'aller voir, il y a une 9, 10e génération, il y a une 2080, 32 Go de RAM, un écran 4K 60 fps, donc vraiment la qualité d'image incroyable, un double écran. Bref, j'ai joué à Fortnite avec, j'ai fait une solo cash cup, mais la vidéo est en deux parties. Tout simplement, première partie, j'ai tout simplement fait une solo cash cup avec le PC normal, et une deuxième partie où j'ai activé le mode performance sur le PC et le mode turbo. En gros, les ventilateurs ils tombent à plein régime, la puissance est au maximal et ça fait tout simplement les meilleures performances. Donc vous allez voir un petit peu les différences. Je vous laisse juger tout ça. Si vous voulez acheter ce PC, les amis, le lien est en description. Et même si vous ne voulez pas l'acheter, n'hésitez pas à lâcher un petit coup d'œil. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et puis en vrai, voilà, sympathique, non? Sympathique, sympathique. Bref, c'était Cocteau. Un maximum de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires. Bisous. Du coup, les potes, j'ai fait la cup sur mon PC fixe au début. Et là, je suis passé sur mon PC portable pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Alors, vous allez voir, je vais souvent regarder en bas la tête comme ça. C'est que ma caméra est posée, du coup, sur mon écran de jeu. Alors que là, je vais juste sur mon PC portable. Du coup, l'écran, il est moins haut, forcément. Du coup, voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu les FPS, etc. Je joue avec la G Pro Wireless, pour ceux qui se demandent. Et le clavier, j'ai pas pris mon Apex Pro. J'ai gardé le clavier de base, donc un clavier à membrane, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Vous allez souvent vous demander, mais Cocteau, pourquoi toujours en 60 FPS? Tout simplement que, en fait, c'est de la 4K 60 FPS l'écran. C'est un écran, simplement en 4K 60 FPS. Malheureusement, le record sera pas en 4K 60 FPS, mais moi, j'ai le jeu là, il est magnifique, vraiment. Je sais pas si vous allez le voir. Après, c'est avec les FPS, en vrai, ça va, hein. Mais c'est pas un jeu qui est fait pour jouer à du FPS, c'est plus un jeu qui est fait pour jouer à des trucs comme Valhalla, etc. Ou genre même le nouveau, par exemple, Far Cry qui va sortir, Farming Simulator. C'est vraiment un jeu qui est fait pour jouer à ça, parce que vraiment, la qualité d'écran est... Oh, le jeu est tellement beau. L'aim n'est pas présente, hein. Champignons. Je suis trop nul les gars, je suis trop nul. Oh, je suis trop nul. Ben mais j'aurais peut-être dû brancher mon Apex Pro, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de port USB sur le PC. J'ai pas racheté un hub USB parce qu'en gros j'ai une prise pour tout simplement un port USB pour ma souris, j'ai un port USB pour ma caméra et j'ai un port USB tout simplement pour mon micro, donc voilà. Allez, un HP. Let's go. Les gars, j'ai quand même du mal à jouer, hein, je peux vous mentir. Je galère un petit peu. Hop là, plus un point. What? Comment il a fait? Comment il a su que j'étais là? Les gars, je suis en train de regarder les TikTok. Il a un HP, non. Il a un HP. Let's go! Nice. Oh, crack, let's go! Il a pris quand même cher, hein. Je pense pas qu'il va se remettre aussi bien. Encore crack, what the fuck? Il dort sur le PC en face.
but, ça va être chaud. Oh non, mais fais casse mon kill, mon niveau. Mon niveau aussi. J'ai pas beaucoup d'FPS, c'est très très compliqué d'aim. Hein. Oh, avec mon. On va mettre le PC en mode performance, les gars. Alors, tac, on va activer le mode performance sur le PC. Hop là, du coup, les gars, j'ai mis le mode turbo, donc vous l'entendez peut-être. Et j'ai mis les FPS en unité pour que vous puissiez voir. Déjà, je me sens un peu plus fluide en vrai. Tac. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit comparatif. Là je tiens quasiment les 80. Ouais, 80 constants. Tac. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Les FPS, tout simplement. Ok, bon. Ça a été vite expédié, les gars. GG à lui. Et du coup, la dernière game de la Cup. Tac. Il est pas mauvais, hein. Ah, vas-y. Les gars, j'ai trop de points sur mon PC portable. C'est vraiment trop dur de jouer. GG à lui, il était vraiment pas mauvais. GG, bref. 10 games, 44 points. C'est bien nul. Du coup, les potes, j'espère que la vidéo vous a plu avec mon petit PC portable. Donc voilà. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez que ce PC portable à 5 000 €, il fait le taf pour jouer à Fortnite? Mais comme j'ai dit, pour moi, ce PC portable, il est vraiment fait pour jouer à des jeux en 4K Ultra HD. Tels que, bah, par exemple, bah, plein de jeux qui vont sortir. Assassin's Creed Valhalla qui est déjà sorti. Far Cry. Farming Simulator. Enfin bref, plein de jeux super sympathiques. Vraiment pour profiter d'une belle qualité. Et puis voilà, moi personnellement, je peux mentir, mon utilisation est assez différente. J'utilise ce PC tout simplement pour gérer mes mails et regarder mes séries, regarder aussi mes animés. Et ça m'arrive aussi faire un petit peu de montage, etc. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Par exemple, moi le soir, je me cale. Soit je me mets un petit stream ici et je réponds à mes mails ici, donc vu que c'est tactile ici. Donc ça, c'est assez sympa. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je fais mes montages ici et je regarde des streams ici. Voilà, donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Cocteau, on se retrouve sur Twitch. Si jamais vous voulez l'acheter, n'oubliez pas, le lien est en description. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée.